Idiot. Elle n'est pas idiot. Le mari de Chicago. We are rejoicing to receive the branch of Chicago. Amen. Amen. Je vais présenter tout d'abord notre fille. You may be seated. Je vais présenter notre fille. I'm going to present our daughter. Elle s'appelle la sœur Amina. Her name is Sister Amina. Elle est aussi d'ici. Coming from the branch of Chicago. Elle est aussi une nurse. She's a nurse as Elle a fini le bachelor. She has a bachelor. Je suis aussi qu'elle va suivre le pas de sa sœur. And she's also. Pour le père aussi le master. Elle est violente. And she is very strong. Là, j'étais à la retraite à Atlanta. When I was in Atlanta. Elle est aussi venue à Atlanta. She came to Atlanta as well. Elle est aussi femme de promesse. And she's a woman of promise. Vous savez que Dieu maman l'a envoyé pour des miracles. No, I'm not going to present Mama Mulenda. She will come. Mama Mulenda, c'est la femme de Papa Mulenda. Mama Mulenda is Papa Mulenda. Elle m'a dit qui il est.
Elle-même va se présenter. She has to present qui elle est. She will tell you who she is. Who her husband elle is. Elle-même va présenter. Ce que je sais. Elle est venue à la prière. Chercher Jésus comme un fou. Elle n'a pas regardé ce qu'elle est. She did not look at her elle life. A payé le transport. She paid for her elle est venue chercher Jésus en Rome. Nous avons été ensemble à l'Atlanta à l'époque pour 3 semaines. Mais elle n'est pas fatiguée. But she wasn't tired. Elle va se présenter elle-même. And so she will come elle nous dira qui elle est. And she will tell us who she is. Entrepreneur mondial, alléluia. Amen. JCC, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Où? Where? In our hearts. Acclamons-le. Je suis Maman Moulinda. My name is Maman Moulinda. Comme Maman Sabine vous l'a dit. As Maman Sabine said it. Mais Moulinda c'est le nom de mon mari. Moulinda is my husband's name. Ma maman de famille c'est Maman Dembo ou la Maman Marie-Thérèse. My family name is Maman Dembo ou la Maman Marie-Thérèse. Ou la Maman Marie-Thérèse. Et pour les intimes on m'appelle Demart. So my closest friends they call me Demart. Demarte signifie Dembo Marie-Thérèse. C'est un nom que j'ai acquis depuis l'école primaire. It's a name that I received since I was in a primary school. Je bénis le Seigneur d'être venu à Aurora. I bless the Lord for coming in Aurora. Je suis de la promotion Anne. I'm of the promotion. Parmi les ânes qui étaient violentes à Kinshasa. We are among the ânes who were very brave and combative. Et bon, ce que je vais dire maintenant, ça n'a pas d'importance. What I'm going to say now is not important. Mais nous travaillons. Bon, je suis député honoraire. I am a deputy honoraire. J'ai été élu en 2006. I was nominated in 2006. La Troisième République. The Third Republic. Et pour le moment, for the meantime, je suis ménagère. I have a domestic woman. Et mon mari, my husband and I, nous sommes le couple responsable. We are the couple in charge of the partnership. Quand je suis venu au combat, je vais vous donner un bref témoignage. Je sais qu'on va en parler un jour. A briefing of my testimony when I came into this ministry. Moi, c'est la servitude qui m'a fait venir au ministère. Me, it's servitude that brought me into this ministry. La servitude au plus profond du mot. Servitude at its depth. Je venais de me marier, j'ai trouvé mon mari avec 23 personnes à la maison qui prenaient en charge. I married my husband. Coming into the marriage, my husband was taking care of 23 people already. Imaginez la suite. So now think about the rest. Quand je suis arrivé, je les ai aimés. When I came, I loved them. Parce que je venais aussi d'une famille de la servitude. Because I also came from a family of servitude. Chez nous, les bâtiments à la maison pouvaient rester des grands frères, des petites sœurs, des cousines, des cousins. Des machins, des trucs. And my tribe, it's a whole family, the whole nine yards that lives in the house. Même les gens que vous ne connaissez ni even people you don't know, they are at your house. You all share it. But they will tell you that that's your cousin. Et nous sommes venus de cette famille-là. And those are the families that we came from. Et quand je suis venu au mariage, j'ai trouvé aussi ces gens-là. And so when I came into my marriage, I also found those people. Et pour moi, ça ne me disait rien. For me, there's no wrong, nothing wrong with it. Parce que je venais aussi de là. Because I came from there as well. Mais quand je suis venu au mariage, but when I came into the marriage, j'ai trouvé que les choses ont changé. I saw that things changed. Parce que moi, chez moi, au mariage, dans la maison de mon mari, because in my husband's home, j'étais la bête à battre. I was the beast to beat. Parce que j'étais une femme. Because I was a woman. Qu'on a marié. That was married. Qui devait faire tout. That had to do everything. Mais le Dieu du combat spirituel. But the God of this ministry, c'est Dieu-là. That God. Il m'a sorti de la servitude. He got me out of servitude. Dans cette maison, quand j'étais à plus de 23. And that house that were more than 23 people. Les 23 là, c'était les gens qui dormaient à la maison. And those 23
Mais au moment du repas, on pouvait se retrouver même à 40. Moi, quand j'ai préparé, je mets des choses dans les assiettes. I put food on the table. J'ai oublié. I forget myself. Parce que je ne vois pas comment je vais. Because I could not imagine how. Je vais mettre des choses. Il y a des visiteurs qui sont venus et moi je vais manger. And I would put aside for me while we have visitors in the house. Quand les gens mangeaient la nourriture. When people would eat. Moi je devais prendre un pain. I would take a bread, a piece of bread. Et boire avec le thé rouge. Maybe drink with red tea. Parce que d'habitude je ne prends pas le lait. Because I don't drink milk. Et c'est comme ça qu'on a évolué. And that's how we continue. Mais c'est Dieu du ministère. But the God of this ministry. Le Dieu de papa et de The God of Papa and Mama Olangi. Quand je suis venu dans le ministère, when I came into this ministry, j'ai commencé à combattre. I started fighting. Moi, ma première lettre du 1er janvier. My first letter of January. De 95. Le 1er janvier 95. 1994. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. 95. J'ai dit mon mari n'était pas au combat. I said my husband was not in the warfare ministry. Moi, j'ai dit à Dieu. So I told God. Seigneur, Lord, je voudrais que mon mari et sa famille puissent te connaître. To know you. Toi, le Dieu du combat. You, the God of this ministry. Et c'est ce qui fut fait. And that was what came to pass. Mon mari est venu avec son frère et sa sœur. My husband came with his brother and sister. Et on a cheminé ensemble. And we continued together. Et aujourd'hui. And today. Ils ont compris. They understood. On est séparés. And now we're separated. Chez moi à la maison. In my home. Je n'ai que mes travailleurs à la maison. I only have my workers at home. Et l'unique fille qui est restée avec moi. And the only daughter that is left. J'ai oublié de vous dire que j'ai 4 enfants. I forgot to tell you that I have 4 children. 3 filles. 3 girls and a boy. Aux États-Unis. 3 of them are here in America. Ils sont venus étudier. They came to study. Il y a Myriam qui est l'aînée. Myriam, who's the oldest. Qui venait de se marier à Atlanta. That married in Atlanta last year. Et on avait une grande célébration. Et je profite de l'occasion. And I take this occasion. Pour vous remercier. To thank you. Pour la présence. For your presence. De la délégation de Aurora. Because when they don't know, même quand vous lancez des invitations, even when you send invitations, les gens ne viennent pas. People don't show up. Mais j'étais vraiment dans la joie. But I rejoiced to see the delegation to come. C'est pourquoi je vous remercie. And I thank you for it today. On entrera en long et en large. We're going to go in great detail. Si Jésus ne revient pas, if God does not come back, c'est quoi les jours où on va fêter l'anniversaire de la CFMC? The day that we're going to celebrate the day of CFMC. Comme le temps passe. As the time is gone. Je vous dis seulement. I will just tell you. Que Dieu vous bénisse. That God bless you. Amen. Alléluia. Elle nous a promis. She promised us. Je connais le témoignage. I know the testimony. C'est une brave femme. She's a brave woman. Aujourd'hui, elle vous a dit qu'elle est ménagère. Today, she tells you she's sitting. Mais quand elle va nous donner un témoignage, she give you a testimony. Elle vous dira que c'est une fonctionnaire de la PTT chez nous. She will tell you that she is someone of a higher rank. Alléluia. Amen. Nous allons prier. We're gonna pray. Éternel Dieu d'Abraham. Eternal Father of Abraham. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de qui papa et maman l'ont cette année jour et nuit. You are the God that Papa and Mama. You are the only one team that was found worthy. Descendez la pensée du Très-Haut. Prends de la pensée de l'Éternel pour la vie de chacun d'entre nous. Search the thought of the Lord. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Speak to us. Amen. Amen. Avant de commencer la prédication, nous allons mener les enveloppes de grâce de la retraite. On va prier pour ça. We're going to pray for you. Et on va commencer la prédication. Quand
t'a dit non, ici la tante est malade. They tell you here your aunt is sick. Il faut envoyer de l'argent. You must send money. Le cousin est mort. The cousin died. On t'appelle toujours pour des problèmes qui n'édifient pas. They always call you for things that are not edifying. Mais aujourd'hui, but today, l'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration de la bonne nouvelle. It is the worship of good news. Jésus veut t'annoncer une bonne nouvelle. God wants to give you good news. Tu as beaucoup pleuré avec de mauvaises nouvelles. With so many bad news. Aujourd'hui, il y a un homme. But today there is a man. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a donné sa vie pour moi et pour toi. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Et je voudrais que toute la semaine, le mois de mars, l'année 2020, marche avec la bonne nouvelle. Partout où tu seras, que dans tes pensées, plante dans tes pensées, cette bonne nouvelle. This good news. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 8, jusqu'au verset 16. Luc chapitre 2, verset 8 à 16. Luc chapitre 2, 16. Luc chapitre 2, de verset 8 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les vieilles de la nuit, la veille de la nuit, pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple les sujets d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vue de David, il vous est né un sauveur. Amen. Il est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant ameloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. » Lorsque les anges le eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Et c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Le verset 16. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Parole du Seigneur. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que voici un ange du Seigneur. Mais il est à Paris et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. And the glory of the Lord shone over them. Ils furent saisis d'une grande frayeur. They were fear. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle, good news, qui sera pour tout le peuple, that will cause le sujet d'une grande joie. For all people. Les bergers, the shepherds, ils sont partis de la brousse, they went into the wild, pour paître leurs brebis. Peut-être que c'était pendant l'hiver. Ils sont obligés de rester dehors. They have to remain outside to take care of their sheep. Peut-être pendant la saison de pluie. Maybe it was during the rain. Sous la pluie. On the rain. Dehors. Outside. Dans les moustiques. With mosquitoes. Il y a des animaux féroces qui passent. Il y a des serpents qui passent. There are snakes. C'est-à-dire les hommes minérables. It means the people that are miserable. Alors ils étaient dans la brousse là. They were in the wild. Pour battre les brebis. In the wildness. Soudainement. Suddenly. Ils voient quelqu'un. They see someone. Qui est à Paris. That appeared. Il brillait. Shining. Et sa gloire resplendissait tout autour. And it shone all around them. C'est comme une grande lumière, comme la journée. It is like a great night during the day. Ils étaient effrayés. They were scared. Qu'est-ce qui nous arrive? What is happening? Nous sommes des minis. We are nothing. Nous sommes dans la brousse. We are in the wilderness. À tout de perdre nos brebis. Just taking care of our flocks. Qu'est-ce qui nous arrive? What is happening to us? D'où est venue cette lumière? Where is this light? Et l'ange de l'Éternel apparaît. And the angel of the Lord appeared. L'ange de l'Éternel a dit. The angel of the Lord said. N'ayez pas peur. Do not fear. Je ne suis pas venu vous combattre. I didn't come to fight against you. I'm not your enemy. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. I came to wish you good news. Cette bonne nouvelle. And that good news. C'est comme une lampe. It is like vous a lamp. Vous ne serez pas le cachet dessous du lit. You cannot hide it. Cette bonne nouvelle. That good news. Que nous venons vous annoncer. We come to tell you. Vous n'allez pas vous réjouir vous-même. You're not going to rejoice. Ça va réjouir tout l'Israël. The whole nation
La bonne nouvelle que les anges ont annoncée. Et ils ont commencé, dès qu'ils ont appris la bonne nouvelle, ils ont commencé à adorer. Ils n'ont même pas connu la face de Jésus. Ils commencent à adorer. Ils avaient la foi. Ce que je vous demande ici, même si ma mère Salut ne peut rester avec vous, un mois, si vous n'avez pas la foi, ça ne sera rien. Mais si vous avez la foi, même si vous n'avez encore rien vu, même si vous n'avez pas eu de songe, vous n'avez pas de parole de ma parole de connaissance, vous n'avez rien vu, c'est que je vous demande, soyons comme des bergers, croyez à la parole de Dieu. L'ange est venu les annoncer la bonne nouvelle. Il n'a jamais vu l'ange depuis la naissance. Il ne commençait pas, c'est un ange de ténèbres ou de notre Dieu. Mais l'ange est venu, il a annoncé la bonne nouvelle. La Bible déclare que le berger et les anges commençaient à adorer Jésus. Et les autres anges sont venus du ciel, s'associer avec eux, ils ont commencé à adorer Jésus. À ce moment, les bergers ont dit, allez tout d'abord à Bethlehem. Pour aller voir si ce qu'on nous a dit était vrai. Avant de voir le bébé Jésus, ils ont tout commencé à adorer Jésus. Nous, à l'adoration, même si je n'ai encore rien vu, je connais le Dieu de ma mère langue. Quand notre fille a témoigné, on l'a condamné à moins de 22 ans. Ça a donné qu'il avait 3 enfants. Donc, il a commencé à concevoir à 17 ans. La femme était condamnée à ne pas finir l'université. Elle n'a pas étudié. Mais comme elle a rendu témoignage, nous avons vu dans les écrans la condition de grâce. Même si je n'ai pas encore reçu ce que je cherche, je peux te le dire quand même. Maman Moulinda nous a dit, le premier jour du mariage, elle a trouvé son mari avec 23 personnes. Il a prié pour son mari et pour la famille du mari. La famille du mari et son mari sont venus au combat. Tout le monde a compris la nécessité du combat. Ils se sont séparés. Le grand frère de son mari, c'est lui qui était un missionnaire à Lodja. La grande sœur de son mari, la petite sœur de son mari, elle a fermé le protocole à Bruxelles. Donc tout le monde a compris la nécessité du combat. Maintenant, elle a dit qu'elle vit seule avec sa petite fille et sa maison, et sa femme. C'est-à-dire que le Dieu du combat est vrai. Alléluia. Même si la chose que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. En attendant seulement le temps. Two.
Second King, le verset 9 à 11. 2 Kings 7, 9 to 11. Roi chapitre 7, le verset 9 à 11. 2 Rois chapitre 7, le verset 9 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps de Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crient et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset dans le chapitre 6, le verset 4. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Alléluia. Amen. La ville de Jérusalem, la ville de Samarie était assiégée. The city of Samaria Israël était assiégée par le roi Ben-Hadad de Syrie. Was already overtaken. C'est-à-dire la Syrie a assiégé Israël. Syria was took over Israel. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir de leur ville. So the children of Israel could not leave their city. Parce que la ville était assiégée. Because their city was already taken. Comme la ville était assiégée. And because it was already taken. Il n'y avait plus de nourriture en Israël. There was no food in Israel. Tout était déjà fermé. All was already. La verset 28 du chapitre 6 nous dit ceci. Verse 6 of 28. Le roi répondit. That the king answered. Si l'Éternel ne te sauve pas. If the Lord does not save. Avec quoi te sauverai-je? With what? Avec le produit de l'air ou du pressoir. From the trash of the floor. Le roi lui dit. The king said. Qu'a dit? Elle répondit. Cet homme a dit. Donne ton fils. Give your son. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. And tomorrow we'll eat your nous l'avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire à quel niveau at what level la famine a atteint Israël. Famine had reached Israel. Ce n'est plus dans la sorcellerie. It's not even a witchcraft. Les mamans s'arrangeaient pour manger les mothers enfants. Were gathering, making sure that la famine a atteint le niveau le plus élevé. Famine had reached a level that it was elevated. C'est à ce moment-là que le Seigneur va opérer le miracle. The Lord began to do miracles. Quand le roi a pris cela, so when the king il a dit, on va tuer le prophète de Dieu. He said, we have to kill the prophet of God. So they killed le prophète de Dieu, c'est tout vide. Le prophète de Dieu, the man parce que c'est Dieu qui nous a envoyé la famine. Because it is his God that sent forth famine. Élisée, l'homme de Dieu a dit. Elijah said. Demain à la même heure. Tomorrow at the same time. Le pain va redescendre. Bread will come forth. La situation sera calme. And the situation will change. Amen. Amen. Et demain à la même heure. And tomorrow at the same time. Le lépreux de l'Israélite qui habite en dehors de la ville. The people who live outside. Parce que le lépreux, on ne mélange pas avec les gens parce que la maladie est contagieuse. The leprosies are people who their sickness is contagious. De le plus vrai habitait en dehors de la ville. And those that had leprosies were living là où ils étaient, il y a la famine. Where they were, they were famine. Les lépreux se sont dit. And so the lepers said. Si nous rentrons en Israël. If we go back to Israel. Pour demander grâce. To ask for grace. Qu'on nous admet de retourner au pays. To allow us to go back to the nation. Il y a la famine. There's famine. On va mourir. We'll die. Si nous battons vers les ennemis. If we go towards our enemies. Si ils savent que nous sommes des Juifs. And if they know that they're Jewish. On va les tuer. They will kill us. Comme nous sommes condamnés à mort. So since we're condemned to death. Allons vers les ennemis. Let's go towards our parce enemies. Parce que là-bas, là-bas où il y a à manger. At least over there, there is food. Et quand ils sont partis là-bas. So when they left to go Dieu there. Dieu grande miséricorde. God and his great mercy. Opérait le miracle. Operated miracle. Et les ennemis, les Syriens ont fui. And so the Syrians parce que quand les lépreux marchaient. When the leprosies were walking. Dieu fait tendre le fou de leur marche comme le goût des chats. And so God made their walk as chariots coming. Et les Syriens ont pris fuite. And so the Syrians left. Et quand les lépreux sont arrivés là-bas, so when the lepers ils ont trouvé there, à manger. They found food. Ils ont trouvé beaucoup de choses que les Syriens ont laissées. Ils ont commencé à manger. They began to eat. Quand ils mangeaient, as they were eating, ils se sont dit eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est la journée it is a day de la bonne nouvelle. Of good news. Cette bonne nouvelle, good news. On ne peut pas les garder nous-mêmes. We cannot keep it parce que la lampe, on le cache en dessous du lit. Because the lamp, you cannot hide underneath the lamp. On ne peut pas cacher cette bonne nouvelle en dessous
bénis. Même si les Juifs nous ont chassés, parce que c'est la journée de la bonne nouvelle, retournons vers les nôtres. To our people, à Samarie, pour les informations de bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, très vite arrivée à Samarie, ils ont annoncé. Et les Samariens, les Samaritains, sont venus eux aussi. They also came. Ils ont dépouillé la richesse pendant 3 jours. For 3 days. C'est-à-dire la nouvelle que le lépreux annonçait au roi de Samarie n'était pas de mensonge. Was not a lie. Parce que les enfants d'Israël ont quitté leur ville pour sortir dehors. Les gens qui ne sortaient pas, the people that were not ils sont sortis, came out, ils ont trouvé la nourriture. They took food. Donc la nouvelle que le lépreux donnait, the news that the lepers brought was a truth. Qui est lépreux? Who is the leper? Un lépreux, a leper, c'est un démuni. It's someone qu'on ne peut même pas espérer de lui. Someone that is hoping. Si ton père est un lépreux, if your father is a leper, physically, tu es un homme, tu veux te marier. You are a man, you want to marry. Tu peux espérer que le lépreux te donnera une contribution? Could you hope that your father would even give you? Si ta mère est lépreux, if your mother has leprosy, tu veux te marier? Can you marry? Est-ce que tu peux imaginer même $1 de ta mère? Can you think they will give you $1? Quelqu'un ne peut même pas avoir quelque chose. Someone who has nothing. Ils mangent dépendant de autres. They depend on others. C'est celui-là qui amène la bonne nouvelle. But it's someone that brings good news. Même si tu n'as rien, even if you don't have, c'est toi qui vas amener la bonne nouvelle à ta famille. Notre fille. Qui était la honte de sa famille. That was a shame. Elle a reçu de donner la bonne nouvelle. Today she brought good news. Quand ils vont prendre ça dans mon pays, ce sera une bonne nouvelle. It will be a good news. Toi, tu ne te considères pas comme un bon rien. Don't consider yourself as someone who's useless. C'est de toi que la bonne nouvelle va sortir. It is through you. Tu vas donner la bonne nouvelle dans ta famille. And your family. C'est toi. It is you. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. It is not somebody else. Ce n'est pas celui-là que vous attendez dans la famille. It is not somebody else. You have for yourself, but it is in your heart. Parmi tes enfants, through your children, la bonne nouvelle sortira. The good news will come forth. La Bible déclare, un jour, one day, Balaam, Balaam est venu l'acheter pour maudire Israël. To curse Israel. Quand il a tenté de maudire, when he tried to curse, ça n'a pas réussi. It then wasn't successful. Pendant 3 fois, ça n'a pas réussi. But 3 times it was not successful. Balaam a dit, so Balaam said, ça ne sert plus à rien. It's laisse, on va partir. Let us go. Balaam a dit non. Balaam said no. Viens. Come. Ne pars pas. Don't go. J'étais au nord. I was at the north. Ça n'a pas réussi. It wasn't aussi, n'a pas réussi. À l'est n'a pas réussi. Je te parle de ce que je vois. I'm going to tell you what je vois là-bas. I see there. Les Juifs là que tu as dit, j'ai vu un astre sortir au milieu de ça. A being come out of them. Ils ont vu une lumière qui sort du milieu de Jérusalem. Coming out of Jerusalem. Le peuple que tu voulais détruire. The people that you wanted to destroy. Tu voulais me dire. J'ai vu un astre sortir. I see a being came out of them. Dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Je dirais un astre. That one prier. You va amener la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. That good news. Que tu sois pauvre. Que tu sois malheureux. Même si tu n'es pas papillé aujourd'hui. Even if you don't have a reference. Même si tu n'es pas papillé aujourd'hui. Even if you don't have a reference. Mais une bonne nouvelle. But a good news. Sortira de ta maison. But come out of your bonne nouvelle. A good news. Sortira de ta maison. What come out of that house. Un lépreux. À qui on peut l'espérer. No, that no one can hold. On ne peut même pas les admettre dans la vie. You can't even allow them to come into the city. Mais c'est elle qui a une bonne nouvelle sortie. Ma maman elle m'a dit, quand je suis marié, j'ai 3 personnes à la maison, nous sommes des Africains, nous connaissons en main, on maltraite la belle femme. We know how the on maltraite la belle fille. The daughter-in-law. Et 23 personnes à la maison, tu dois préparer pour eux. You must cook for them. Qui pouvait imaginer que c'était un député national qu'on faisait maltraiter. Quand tu es là, tu n'as rien. Tu ne peux même pas, quand je suis marié, elle ne savait pas qu'un jour, elle sera députée nationale. There is a being that is coming out. Apportera la lumière. It is bringing personne ne peut tout faire. Nobody
de Dieu. L'éternel a dit de salut. Que c'est par toi, là ta maison, une lumière va sortir. Ne t'amuse pas. Je n'ai pas de papier. Ne dis pas que je ne suis pas marié. Ne dis pas que je suis marié, mais je n'ai pas de travail. Devant ma femme, je n'ai plus assez de valeur. Tu es toujours un homme. Tu es de la valeur. Aujourd'hui, tu es le vrai. Maintenant, tu sortiras la lumière. Nous allons appeler notre Dieu parce qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle. Le prêtre a amené la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a réjoui toute la nation. Toi qui es le prêtre aujourd'hui dans la salle, tu n'as pas de travail. Toi qui es le prêtre dans la salle, tu n'as rien à le prendre. Nous avons parlé de le prêtre. Une famille qui n'est pas connue, une famille qui n'a rien, mais cette famille-là, il y a le prêt, où la lumière apparaîtra. N'éternise pas ma sœur, ne pleure pas mon frère, où la lumière sortira, c'est toi qui amènera la bonne nouvelle. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 9, verset 20 à 21. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 9, verset 20 à 21. 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 20 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas Benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Parole du Seigneur. Samuel prit Saul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saul mangea avec Samuel ces jours-là. Verset 20 nous dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours quand elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la famille, pour toute la maison de ton père. Alléluia. Amen. Saoul cherchait l'ânesse de son père. Saul was looking for the donkeys of his father. Nous connaissons l'histoire. You know the story. Et quand ils sont arrivés auprès de Samuel, and so when they got to Samuel, Samuel a prophétisé. Samuel prophesied. Il dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses. He said, do not worry for the donkeys. Ils sont déjà retrouvés les 3 jours. They've already been found. Mais la bonne nouvelle est que ce qui est de précieux en Israël is precious in Israel est pour toi et pour la maison de ton père. It is for you and the house of your father. Ce qui attend tout Israël. All Israel est pour toi et pour la maison de ton père. C'était une bonne nouvelle pour Saoul. Quelle est la chose que tout Israël cherchait? That was the thing that all Israel was looking for. That was in the house of my father. He said no. Nous sommes de la tribu de Benjamin. We are from the Benjamites tribe. Benjamin le petit, le fils cadet de Jacob. Benjamin is the youngest son of Jacob. We are the poorest nation. Qui n'est pas connu en Israël? Mais Samuel dit, tout ce qu'Israël was looking for, it's in you and in the house of your father. A good news that Saul could not even imagine. Cette année, this year, avant qu'on arrive le 31 décembre, prior to us reaching the 31st, that somebody's looking for America, that Americans are looking for, that are tribes looking for, will come out of your home, will come out of your ministry, because the Bible says that God is more precious. You're looking for donkeys. Non, ce n'est pas les ânesses. It's not the donkeys. Les ânesses sont toutes donkeys can stay. On les a trouvées. We've already found them. Mais c'est que tout Israël cherche. But all Israel is looking for. Israël est jeune. But all Israel is fasting for. Ils cherchent.
What they're looking for, it's inside of you. And for your heart. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle. It was a good news. Il a cherché les jeunesses. Parce que pour les jeunesses, c'est la richesse de la famille. Il cherchait la richesse de la famille. Mais Dieu lui dit, c'est la richesse là. C'est quelque chose. Mais ce qui est plus précieux, c'est que les autres cherchent. C'est que tout Israël, même les riches, la cherchent. C'est que les 11 enfants de Jacob cherchent. Mais qui nous sommes jamais? Tu es Benjamin. 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 C'est Judas à qui on a laissé les certains commandements. Where they gave the staff of commandment. Ils cherchaient aussi. They were also looking. On n'a pas donné à Judas. They did not give it to Judah. C'est que Ruben cherchait. What Reuben was looking for. Le fils aîné. On n'a pas donné. C'est que Simon cherchait. C'est que Azia cherchait. Tous les 11 enfants. All the 12 children. Non. No. C'était à Benjamin. It was inside tu es Benjamin 2020. You are the Benjamin of 2020. Même si tu vois aujourd'hui, even if you see rien today, ne marche, nothing is working. Tu es Benjamin. You are the Benjamin. La bonne nouvelle, the good news that you hear today, place ça dans ton cœur. And write it in your heart. Worship God. Parce que tu es Benjamin. Because you are a Benjamin. C'est toi. It is through you. Parce que tu es précieux. Because you are precious. You are worship God. Benjamin. Because you are même si tu n'as pas de travail, even if you don't, tu es Benjamin. You are Benjamin. Tu n'as pas de papier, tu es Benjamin. Tu n'es pas marié, tu es Benjamin. Tu es marié sans enfant, tu es Benjamin. Tu es tes entrailles, tu es Benjamin. Dans mes entrailles, tu te vois même. Je suis Benjamin. Quand votre fille est arrivée, elle dit elle n'avait pas, elle est venue avec le visa d'étude. She came with the F1 student visa. Mais quand avec le visa d'étude, elle va où elle travailler? With the F1 student visa, there's no way. Elle a commencé à traiter les cheveux. She began to do hair. Elle était babysitter. She babysat. Qui pouvait imaginer? Who could have imagined? Dans la maison, that in the house, elle prenait soin des enfants. Where she was caring for people. Une dame, une infirmière. That later on, qui aurait un jour un master. A nurse who will have a master. Alléluia. Amen. Moi, je me disais, maman, Moulinda. Si j'étais toi, if I was you, je n'allais pas être comme toi. I was not being 23 personnes. 22 people. Elle me disait que quelqu'un préparait le foufou. She said, well, you cook foufou. Alors, tu prépares la casserole comme ça. You cook one part here. Quand tu es en train de bouger ici, si tu as déjà mis de l'eau dans la casserole, et quand tu termines à distribuer ça, l'eau sont bouillie, tu commences à avoir préparé. Quand tu es en train de tourner, tu mets encore la casserole. You put another one. Pour la deuxième fois. Mais qui savait? Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour l'annoncer cette bonne nouvelle. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Quand tu auras le temps à la maison, commence par le verset premier. When you have time at home, start from verse 1. Qu'est-ce que nous dit l'évangile? What is the evangel? La Bible dit Zacharie. He says Zacharie. Et sa femme une famille pieuse. His wife were servants. Ils craignaient Dieu. They fear God. Tous les deux ils étaient stériles. Who said they were sterile? On servait Dieu en Israël par le tour de rôle. They were serving God in turns. C'était le tour de Zacharie. It was the time of Zacharie. Zacharie était au temple. And he was at the temple. Pour servir Dieu. To serve God. Peut-être c'était l'intercession qu'il faisait là. Au temple. Maybe he was interceding at the temple. Parce que quand le sacrificateur rentre au temple, because when the high priest comes into the temple, le chien à la hanche. They will bind you with a chain. Quand tu entres là-bas, si tu es impur, and if you go there and pure, tu vas mourir. You will die.
inside. Et quand on bouge le fil, and as they shake the cord, tu ne respires plus, and they notice that you no longer breathe, they will bring the cord out and mourir. Mais quand tu es sanctifié, tu vas sortir avec un message de Dieu. You will come out with a message coming from God. C'était comme ça tout d'être carré. And that was how it worked. Zacharie went to the temple. Il était en train de prier. He began to pray. Soudainement, l'ange de l'Éternel apparaît. The angel of the Lord appeared to him. L'ange de l'Éternel dit à Zacharie. The angel of the Lord said to him. Que le Seigneur avait dit que tu auras un enfant. The Lord sent me to tell you that you will have a child. Zacharie n'a pas adoré. Zacharie had issues. Quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge. For I am old and my l'ange me répondit. The angel answered. Je suis Gabriel. I am Gabriel. Je me tiens devant toi. I stand in the presence of the Lord. J'ai été envoyé. I was sent à Aurora to Aurora pour te parler. To speak to you. C'est de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. L'ange dit Zacharie. The angel told Zachariah. Je ne connais pas l'âge de ta femme. I don't know your wife's age. Je ne connais pas ton âge. I don't know your age. Ce n'est pas mon problème. It's not my problem. Je ne sais pas la déclaration de médecin. I don't care about the doctor's declaration. Ce que je sais. What I know. Je m'appelle Gabriel. My name is Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. Je t'ai envoyé. I was sent. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Que tu auras un enfant. That you will have a child. Alléluia. Amen. Ma sœur adore Dieu. My beloved ne sois pas comme Zacharie. Zacharie commence à juger l'âge de Dieu. Comment je saurai? Que j'aurai un enfant, je suis avancé en âge, ma femme aussi. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas la déclaration de médecin. J'ai été envoyé par celui qui a créé le médecin. J'ai été envoyé par celui qui a créé ton organe. J'ai été envoyé par celui qui a créé le fichier de l'immigration. J'ai été envoyé par celui qui peut te donner le travail. Il m'a envoyé pour te donner la bonne nouvelle. Que si tu donnes le bien, c'est Jésus. Il te donnera cet au cœur de Dieu. Et parce que Zacharie a douté, l'ange de Dieu lui dit, the angel told him, tu auras un enfant, you will have a child, et tu deviendras muet jusqu'à la naissance. L'ange de Dieu n'a pas changé the angel, la prophétie they don't change the prophecy, à cause de doute de Zacharie. Not because même si tu as doute, even if you doubt, l'Éternel a résolu de te visiter. The Lord decided to visit. Même si tu doutes, even if you doubt, peu importe votre doute, no matter your skin, même si tu as perdu la masture, even if, parce que tu as avancé un âge, you think peu importe votre cycle, no matter si your skin, envoyé pour t'annoncer to tell que tu porteras un enfant. Même si ta femme ne croit pas, even if you don't believe, quand la prophétie sortait, la femme n'était pas là. The woman la femme n'a pas entendu la prophétie. Then what, the woman then qui a conçu? C'est celle qui n'a pas entendu la prophétie. The one that did not même si ta femme n'est pas dans la salle, even if your même si ton mari n'est pas dans la salle, here, même si tes enfants ne sont pas là, moi j'ai été envoyé pour t'annoncer toi qui es dans la salle. Qui dira à ta femme? Qui dira à tes enfants? Ainsi parle l'Éternel. Tu porteras la chose que tu cherches. Quand tu cherches le papier, tu l'auras. Quand tu cherches les enfants, tu l'auras. Quand tu cherches pour que tes enfants se marient, ils se marieront. Notre fille nous a dit ceci. Quand elle était aux États-Unis, pendant 4 ans, elle se propose de trouver le ministère. Elle priait avec ses cahiers. Mais elle a payé sa maman au village. Maman, passe mes pour moi. Toi qui es ici, qui attend la prophétie, même si tes enfants ne sont pas là, même si ton mari n'est pas là, même si ta femme n'est pas là, ainsi parle le Seigneur. J'ai été envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. J'ai été envoyé pour t'annoncer que tu ne seras pas déporté, que tu ne seras pas déporté, tu vas te marier, le Seigneur va changer ton histoire. Je suis aujourd'hui le chrétien. Tu n'as pas l'argent pour acheter la maison. J'ai été envoyé pour te dire que tu auras une maison. Le Dieu de maman, il a mis les choses. Il est le même hier aujourd'hui dans les mains. Nous avons suivi. Les anges ont annoncé la nouvelle. Et la nouvelle a été concrétisée. Nous avons entendu. Les lépreux ont annoncé la nouvelle. La nouvelle a été accomplie. Samuel a parlé. Et c'est la fille accomplie. Maintenant Jésus veut te dire quelque chose. Jesus wants to tell you something. Amen. Amen. Les anges ont parlé. The angel spoke. Les lépreux ont parlé. The leprosy spoke. Le prophète Samuel a parlé. The prophet spoke. Maintenant Jésus veut parler. Now Jesus Christ wants to speak. Ésaïe 61. Jésus-Christ veut te parler. Jesus Christ wants to speak to you. Là, je peux lire moi-même lentement, lentement. L'Esprit Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, alléluia, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terribles de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Nous avons vu l'ange qui a commencé avec le berger. Il a annoncé juste une parole. He only said a word. Il dit aujourd'hui c'est la bonne nouvelle. He said today is the day of good news. Jésus est né. And the Lord is born. Nous avons vu les lépreux. We saw the leprosy. Il a annoncé une bonne nouvelle. He said one word. Aujourd'hui. Today, c'est la journée de la bonne nouvelle. It is the day of the good news. Les ennemis, les Syriens ont fui. Israël a été libéré. And Israel was set. Nous avons entendu Samuel. We heard Samuel. Il a reçu une bonne nouvelle. He said one good news. Il dit ce qui est précieux. He said what is precious. Ce que Israël cherche. What Israel is looking for. Et à toi, la maison de ton père. It is in your home. Jésus n'est pas venu seulement t'annoncer une bonne nouvelle. Jesus did not only come for the good news. Jésus n'est pas une nouvelle. Only not il one news. Il donne les bonnes nouvelles. And he's giving you good news. L'Esprit du Seigneur. He says that the Spirit of the Lord. L'Éternel est sur moi. He's upon me. Car l'Éternel m'a ouvert. Because the Lord has anointed me. Pour porter des bonnes nouvelles. Good news. Bonne nouvelle en écrit au pluriel. Good news in plural. Pour malheureux. To the poor. Si elle t'annonce demain que tu auras un enfant. If they tell you tomorrow you have a child. Et toi tu n'as pas de papier. And you don't have papers. Qui va t'annoncer la nouvelle de papier? Who will announce you? Si elle t'annonce la nouvelle que tu auras la maison. If they tell you you have a home. Et tu désires la voiture. And that you want a car. Qui va te donner la nouvelle de voiture? Who will give you the news? C'est pourquoi Jésus vient t'annoncer la bonne nouvelle au pluriel. To give you good news in plural. Jésus dit ceci. Then he says this. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. He has sent me to bind up the broken heart. Pour qui ont le cœur brisé. Jésus nous a envoyé. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. To give you this good news. La maman de notre sœur. The mother of our beloved. Je suis une maman. I have my mother. À l'âge de 17 ans. 17. On t'appelle que ta femme. They tell you that your child. Ta fille est enceinte. Is pregnant. C'est une honte dans les quartiers. It's a shame. Parmi les mamans. Cette maman, je suis sûr. Ce jour-là, elle a pleuré. Quand elle a pris sa vie, elle est enceinte. Alléluia. Et que les enfants de ses amis partaient à l'école. Mais sa fille était à la maison. Parce qu'elle était enceinte. Et le papa a décidé que la femme, elle avait la grossesse. Je suis allée à l'école avec ça. Vous, chez vous, on parle à l'école de la grossesse. Chez nous, on parle pas. Alléluia. C'était des amis pour ma maman. To school with a pregnancy. It was a shame for her mother. Amen. Amen. Mais Jésus dit, but Jesus said, si I came to heal you. Quand maman a vu sa fille le samedi, when the mother saw the daughter on Sunday, at the, moi je suis sûr qu'elle était dans la joie. At the graduation, I'm sure she rejoiced. Que personne sa joie. Nobody can. Parce que Jésus est venu consoler les cœurs brisés. Toi qui as le cœur brisé aujourd'hui, you that is broken hearted, Jésus est le médecin. The Lord is a doctor. À l'hôpital, il n'y a pas un médicament pour toi. And the hospital mais Jésus Christ est le médecin. Medicine, yeah. Jesus is the medicine. He came to heal you. Il a dit, il m'a envoyé. He said, he pour proclamer aux captifs la liberté. To proclaim freedom to the captives. Toi qui es dans les chaînes. You that is bound. Dans le blocage. And blockage. Les sorciers te maintiennent à la pauvreté. The witches are maintaining dans les situations compliquées. And the complicated Jésus situation. Jésus Christ est venu t'annoncer. The Lord came to tell you. La liberté. Freedom is yours. Moi, je me souviens de Mandela. I remember Nelson quand Mandela. Il était en prison. When he was in prison. Si tu le demandes. If you ask him. Est-ce que tu vas sortir un jour? When you will come out one day. Je ne mourrai pas en prison. Say, I will not die in prison. Je suis président sud-africain. I am the South African president. Dans le chien. 27 years. Mais il confessait toujours. But he confessed qu'il était président sud-africain. One day he reached the South African president. He didn't think about dying. Mais il savait qu'il était président. But he knew that he was president. Mais Jésus Christ, and Jesus Christ, qui a le pouvoir de te parler, qui a le pouvoir d'accomplir ses prophéties, to accomplish his promises, il te dit, he tells you, ne regarde pas la pauvreté là où tu es. Do not look at the poverty you are. Ne regarde pas les chaînes là. Do not look at the chains that you are bound. Ne regarde pas tes problèmes. Do not look at your problems. Jésus est venu t'annoncer. Jesus came to tell you. La liberté. Freedom is yours. Qui pouvait croire? Who could have believed? Que maman Moulinda pouvait sortir. Maman Moulinda could have gone. D'une famille de 23 personnes. A family of 23 people. Elle était les chaînes. Elle ne pouvait pas parler. She could not je ne demande pas sa place. Okay. Elle demande un dimanche. Vous savez ce que je veux dire. You understand what I'm dans cette famille, that family, où elle était étouffée, where she was bound, tu peux rien dire, you could not tu say peux rien faire, you couldn't tu ne pouvais pas, tu ne manges pas, you cook, but you don't tu travailles avec ton argent, you work with your money, tu nourris la belle famille. You nourish your family. Qui pouvait imaginer qu'un jour, cette femme sera libérée de sa belle famille. Mais Jésus est venu annoncer la liberté. Tant qu'il y a eu des problèmes, you that Jésus est venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il est venu te libérer. He's setting you free. Il dit pour proclamer la liberté aux captifs la liberté. He said to proclaim freedom. Aux prisonniers la délivrance. And release. Quel que soit le prisonnier se trouve. No matter the prison or not. Dessous des eaux. Under the water. Dans les grottes. And the mariage est en prison.
Tout est en prison. Tout est en prison. Jésus crucifié ressuscité. Il est venu t'annoncer que les prisons là, prisons, il est venu briser. Il est venu te délivrer. Il est venu te racheter. Il est venu sortir de prison. Il dit, il est venu publier une année de grâce. To proclaim a year of grace. He came to announce that 2020 is a year of grace. Ne regarde pas la difficulté de toi. Don't look at the difficulties of your life. Prior to December 21st, Jésus Christ accomplira sa parole. Jesus Christ will accomplish his word. Si tu n'as pas accompli demain matin, if you didn't do it, ne t'inquiète pas. No worries. Marche toujours. Continue to si tu n'as pas accompli le dimanche prochain, if he doesn't do it next marche time, toujours. Continue to walk. C'est lui qui a promis. He promised. Il est fidèle. He is faithful. Pour l'accomplir. To accomplish. Quand l'ange dit à Zacharie, that you will have a child. But Zachariah said, I'm old. My wife has well. Is it the age that's the problem? Is it the angel that will couche avec la femme? No, it is you that is sleeping. I'm telling you that I sleep with my wife and she gets pregnant. The angel said, I will send. L'ange n'a pas la possibilité de mettre sa main dans les entrailles d'Elisabeth. The angel does not have the possibility to place an to put a child in. Mais la prophétie était accomplie. But the prophecy came to pass. Mais Jésus-Christ, but Jesus, il a la capacité, he has the capacity de mettre sa main to put his head dans les entrailles d'une femme, and to the bones of a woman, mettre la nécessité pour que la femme and put the, what is needed for the woman. C'est Jésus-là qui te promet. It is not Jesus that promises you. That in 2020, it is a year of grace. Il y aura un jour. He said there will be a day. And 2020, when the Lord will pronounce a judgment against your enemies, those that are making you weep, il y aura un jour. There will be a day. The Lord has never forgotten. He has not forgotten. He never changes. He's never changed. Il y a un jour. There is a day. Il pronounce a judgment. He will pronounce a judgment against all that is making you weep. Il dit, il est venu consoler. He said he came to comfort you. Pleure. You that is weeping. Jésus est venu te consoler. The Lord came to give you. Il est venu t'accorder toi l'affligé de Sion. You that is anxiety, il est venu changer ton livre. Toi qui es comme celui qui est en deuil. You that is weeping. Tu es habillé comme quelqu'un qui est en deuil. Tu marches comme un malheureux. Tu marches comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Il est venu changer ton histoire. Il tient comme une plante. He says you have a plant. À côté de bras d'eau. That the plant next to the shoots of water. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. The good news. Les anges ont annoncé la bonne nouvelle. Jésus nous a annoncé la bonne nouvelle. For many news. La Bible déclare. The Bible declares. Au verset 4. And verse 4. Il nous rebâtira sur les sites des anciens de villes. Il y relèvera l'antique et décombre. And restore the places. Il y renouvellera les villes ravagées. They renew the ruins. Dévastées depuis longtemps. And they have been des étrangers seront là pour reprendre vos troupeaux. Strangers wish. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera serviteurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez la richesse des nations. Vous vous glorifierez de leur gloire. And their riches you will be good. Au lieu de votre propre, instead of your shame, vous aurez une portion double. You receive a double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. You rejoice in your heritage. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. So you will inherit a double portion in your land. Leur joie sera éternelle. And everlasting joy will be yours. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. For I, the Lord, love justice. J'ai la rapine de l'iniquité. Je donnerai fidèlement leur récompense. I will reward my people. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Leur postérité parmi les peuples. And the offsprings among people. Tous ceux qui le verront ne le connaîtront. All who see them will acknowledge. Ils seront une race bénie de l'Éternel. And they will know that the people of the Lord. Je me réjouirai à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements d'Israël. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'une diadème. Comme la fiancée se parle de ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe. A bride adorns herself with her jewelry. As the soil makes spring come up, ainsi le Seigneur, and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will let righteousness and bread spring before all the nations. Jésus t'annonce. The Lord is announcing you. Et toi qui as autrefois tu étais élevé, you that other tu avais les choses, you had things, et tout parti. And now you lost everything. Il est venu t'annoncer la nouvelle. The Lord is saying, I came to give you good news. That I will rebuild you. Tu étais un businesswoman. If you are a businesswoman. Tu as tout perdu. And you've lost everything. Lui-même est l'autel. He himself, the Lord, he's a shrine. Il va te reconstruire. Then he will rebuild. Si les anciennes ruines, onto the ground, you that are fallen, tu avais un
as de l'argent. Yes, then the money. Tu n'as plus rien. Today, you're absolutely nothing. Tu ne sais pas par où commencer. You don't know where to start. Le Seigneur te dit. The Lord is saying. Il est venu te relever. I came to lift you up. Il y a un homme qu'on appelle Jésus. There's a man called Jesus Christ. Il te tient à la main. Holding you by the hand. Aujourd'hui. From this point. Même si tu n'as pas de travail. Even if you don't have work. The Lord will sustain you. Il va te renouveler. He will arise. Il va te rebâtir. He will rebuild. Il va te élever. He will arise. Et tu mangeras la richesse de la nation. Eat the riches of the nation. Au lieu de l'ignominie. Instead of you going to hurt. And so if you want to change, double. He will give you double portion. Double. He will give you double portion. Passé. He will reward you. You will be acknowledged as a nation that God has blessed. He said, as you, the young bride, are clothed to those in the husband. The Lord will adorn you with great things, with riches. Dit, comme quand on plante une semence en terre, as when we sow a seed on the earth, on a atterri une semence en terre, we sow a seed on the earth. Tout le monde peut piétiner la semence. Tout le monde peut bien la semence. Tout le monde oublie la semence. Mais un jour, la semence va éclore. The Lord toi qui plaît, voici ta parole. L'Éternel te dit, tu es une semence. Cette semence était encore à terre. Personne ne pouvait connaître. No one knew. Mais Jésus est venu t'annoncer. Toi même si tout le monde te piétine, même si tout le monde parle mal de toi, même si la famille te critique, même si on te maudit, Jésus-Christ est venu te pousser la semence dans lequel est clore. Ta vie va sortir. If there were angels, ils ont eu l'évidence. They have their evidence. Si les nouvelles de l'Éprès, the news of les apôtres, ils allaient manger le pain. Si les nouvelles de Samuel, if the news Samuel est devenu roi, toutes les prophéties d'Esaïe 61 doivent s'accomplir dans nos vies. Adore Dieu, worship God, parce que les anges, because the angels ne sont pas de Dieu. Are not just, mais toutes les bonnes nouvelles qu'ils ont annoncées, qui ont accompli. La nouvelle qu'ils ont annoncée, all the news that they gave, il y a eu l'évidence. There was evidence. La prophétie de Samuel, the prophecy of Samuel, a été accomplie dans la vie de Samuel. Aujourd'hui, today, la prophétie d'Esaïe 61, ce n'est pas Esaïe qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui se vient ressusciter. Jésus, la Dieu de maman Hélène, il te rassure. L'Église fait besoin de prophétie. And your agenda, tu le vivras. You will live it. Nous le vivrons. You will live it. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Because it's not a man to lie. Si les anges n'ont pas menti, si Samuel n'a pas menti à Saül, si les n'ont pas menti, Jésus ne mentira jamais. Il sera fidèle. He is faithful. Il est derrière sa parole. He's behind his word. Il allait l'adorer. We will worship him. Toutes les bonnes nouvelles. All the good news. Toi, tu étais une semence. You are a seed. Il a enterré par terre. That was que les gens ne voyaient pas.